Voilà. Comme ça. Voilà, tant que la bourgeoise travaille. La bourgeoise est là depuis, elle se débrouille dans son cadre. Vous venez m'insulter, machin a fait ceci, l'autre a fait ceci. Bon, il faut d'abord que je bois un bon verre. Voilà. Ah là là. Hey! Et Warus. Warus, Warus, Warus. Il faut que je me bouge. Oh, Warus. Attends, d'abord, je vais d'abord. Ah, c'est comme si les choses ont changé dans mon compte ici. Hein. Je vous dis. Maman. Depuis que je me débrouille ici, depuis hier. Mais Warus. Je vous montre tout ça. Je veux travailler tout ça avant d'aller dormir. Parce que je ne peux pas dormir sans arranger la maison. Je vous dis. Oh. Je vous dis que. Ah oui, il faut que je travaille tout ça. Le pouvoir d'attraction de l'amour. Eh oui. Peut-être que, je ne sais pas où. Peut-être que mon compte s'est déjà devenu bien. Hein, parce qu'on m'a donné, c'est un truc d'aujourd'hui là que. Hein. Peut-être. Hein. Je vous dis. Tous les clients viennent de partir depuis hier sur mon travail là. J'ai vu mes petits. On m'a déjà incité jusqu'à. Donc bah, je vais encore travailler tout ça ensemble. Tout ça, les cuisines, tout. Chaque jour, vous êtes des milliers à passer devant nos magasins. Sans même vous douter qu'il vous suffirait de pousser la porte pour faire évaluer votre vue gratuitement. Tout l'intérêt de voir et d'écouter cette publicité pour écouter voir. On s'assoit d'abord un peu ici. Vous le savez. Et puis on réfléchit encore un peu. Oh, écoutez voir, optique et audition mutualiste. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions. On a notre morceau et c'est que nous on va venir écouter maintenant. Chromebook est un ordinateur clé en main. Connectez-vous à Gmail et vos fichiers sont là. Choisissez Chromebook. Regardez toutes vos vidéos de yoga sans pub ni interruption. Essayez YouTube Premium sans frais. Voici Hélène. Hélène a une chanson qui lui trotte dans la tête. Trotte, trotte. Qui galope même à fond, bien. L'Hélène, la bonne joyeuse. Heureusement, Hélène peut retrouver cette chanson en la fredonnant à Google sur son téléphone Xiaomi. Dans la vie, ne regardez pas les Huawei. Je vous ai dit que vous, là, les machins, là. Oui, moi, je suis une femme que. Je suis déterminé de la vie. Ne vous inquiétez pas. Dieu va m'aider. Je veux mon restaurant. Vous allez voir. Vous comprenez? Oui. Je suis là devant vous. L'année de mon année. Cette année, oh. Et vraiment. Mais voilà, vous savez, dans la vie, c'est. Laissez. La voix, je vais là. Je me bats. Je me bats. Je m'habille comme ça parce que je ne veux pas indexer
Les clients qui viennent ici pour dire que, oh, la voix joyeuse, parce que mes seins sont des debout-debout. Quand quelqu'un vient avec nous, quand il veut mettre un truc, il va dire que la voix joyeuse, non. La première vidéo, vous avez vu, on m'a agressé. Dans ma propre vidéo, je suis là pour vous dire que moi, je fais mes choses doucement. Je ne demande rien à quelqu'un. La personne qui vient ici, je suis fatiguée. Il y a une chambre ici, tu dors. Moi, j'ai ma chambre là-bas. C'est même rare que je dors là-bas. J'ai le canapé. Tu dors ici au canapé. Tu peux dormir ici. Ici, c'est la maison de la famille. C'est tout. Donc, là, je suis en train de faire le ménage. Parce que la cuisine, là, il faut que j'attaque la cuisine. La cuisine, on va attaquer la cuisine. Regardez. Ouais, notre piment ancestral. Ouais. Il faut que je... Regardez, il y a des bouteilles partout. Et mais voilà, regardez la cuisine. Regardez. Je dois arranger tout ça. Tout seul. Bah oui. Parce que j'attends la cuisine. Les gens qui sont venus sont les gens qui m'aiment bien. Je dois nettoyer tout ça tout seul. Qui m'aide? Personne. Maman, je pas, 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 pas. Et vous me pouvez. Je suis debout. Depuis hier aussi. À 2 h du matin jusqu'à aujourd'hui. Les clients viennent. Oh, la veuve. On me tire même les... Maman, j'ai le choix. Je peux pas. Oui, parce que ce sont les gens qui m'aiment bien. Mais oui. Vous passez votre temps à m'insulter. Vous êtes stéréotypé. Je sais cuisiner. Je sais pas cuisiner. Mais non. Je me débrouille. Ah oui. Ouais, oui. Ah oui. Ça fait quoi? Insultez-moi. C'est la vie, non? Je suis rien devant vous, mais devant Dieu. Devant le bon Dieu, je suis quelqu'un. Hein? Mais devant Dieu, je suis quelqu'un. Hein? Qui peut venir m'aider? Je vais arranger tout ça. Tout si vous allez voir comment je travaille. Moi, je suis une femme qui travaille. J'ai qui? Warios, Warios! Ouais, oui, hein? Oui, c'est facile.
C'est pas facile, hein. Pas du tout facile, hein. Donc je dois faire tout ça doucement, doucement, parce que vous savez que il faut faire doucement, doucement. Là, oui. Dans la vie, hein? Les gens peuvent dire oh, veuve joyeuse, c'est votre problème. Moi, je sais ce que je cherche dans ma vie, et un jour, j'aurai ce que je cherche. Je vous ai dit que 2022, vous et moi ne serez plus sur Ouganda. Vous devez y aller. Voilà, moi j'ai eu ma part. Oh, moi j'ai travaillé, j'ai quand même quelque chose. Pardon. On va devoir voir un petit peu au salon. Regardez le salon. Maman, le goût de ça. On va faire comment? Là, ce sont des verres qui sont sport. Je vais mettre ça dans notre. Tout là-bas. Ouais, c'est pas facile, hein. Mais voilà, je vous m'en parle. N'engalane n'est pas facile. N'engalane pas facile. Hey! Qu'est-ce que vous m'avez dit que j'ai n'engalane? Parce que n'engalane, ça me dépasse. Hey! Tu travailles. Yay! Yeah. C'est un travail, hein. Vraiment, je respecte toutes les femmes qui ont n'engalane. Je respecte toutes les femmes qui ont n'engalane. Ça vous mentir. Ce sont les femmes, les meilleures femmes de la toile, franchement. C'est pas facile, hein? En tout cas. Okay. L'Ouganda a été. Je suis très contente. J'ai fait mon petit chiffre d'affaires. Vous m'avez rose. Je suis très contente. L'Ouganda a été. Est-ce que je suis ça? L'Ouganda a été. Oui. Je veux lâcher par rapport à quoi? Par rapport à qui? L'Ouganda a été jusqu'à ce que c'est même plus bon. Les petits cadeaux, les robes qu'on m'a offert, et les robes, et les champagnes, et ceci, et les machins. Mais oui, mon gandé est là, non, mon gandé, je ne peux pas lâcher mon gandé. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Oh! C'est que, maintenant, quand tu fais quelque chose, tu fais? Moi, j'aime cuisiner, j'aime recevoir les gens, j'aime ça. C'est mon. Je ne veux pas vous dire que je veux faire des make-up. Parce que moi, les make-up, je ne connais pas faire des make-up. Non, ce n'est pas facile, non. Alors là, non. Ce n'est pas facile. Et puis, de l'Ouganda, c'est un peu bizarre. Hein? Parce que moi-même, à l'époque, quand j'allais dans les Ouganda, ici à Paris, ce sont des gens qui sont tellement exigeants. Oui. Il faut ça. Oui. Il faut ça. Oui, il faut que tu sois déjà là, maman. Si une arrive alors avec son chou, il faut que tu sois être au petit soin. Il faut que l'autre qui arrive là, il faut. Je te dis. Mais, je suis même fière de moi. Pour moi, c'est une expérience, hein, de Ouganda, parce que c'est difficile, c'est dur. Hein. Donc, moi, je vous conseille pas. Vous pouvez faire l'Ouganda, mais
C'est une. C'est quelque chose qu'il faut. C'est comme on appelle ça au Cameroun le circuit. C'est difficile quand même, c'est difficile. Parce qu'il faut. Il y a peut-être 30 personnes, il faut les. Oui, il faut. Et puis il y a certaines filles qui sont aussi agressives, il faut calmer le dossier, il faut vraiment. C'est pas facile, hein? Enfin, sans vous mentir. Oui, mais le service traiteur, c'est un rien, il va venir là. Je veux vieillir. Non. Pourquoi? Vieillir, c'est dans la tête. Nicole, c'est vieillir, c'est dans la tête. Non? Moi, vieillir, c'est dans la tête. Bon. Pourquoi? La vieillir, c'est dans la tête parce que il y a les hommes, il y a les hommes de comment on appelle ça? Ou les femmes, une comment? Tant que ma libido donne encore, tant que je me sens bien dans mes os, tant que je suis bien, moi je ne vois pas la vieillesse là-dedans. Non? Non? Pourquoi? Moi je suis bien comme je suis, moi je ne me trouve pas vieille. Hein? Pas du tout. Pas du tout. La vieillesse dans la tête. C'est comme je dis, oh, la pauvre veuve, la pauvre. Parce que quand tu dis la pauvre veuve, moi je le dis, c'est pour attirer la pauvreté. Quand tu attires le soleil, tu dis, oh, le soleil va arriver sur toi. Quand tu dis que j'aimerais avoir comme moi, là, moi je dis que moi, je m'en fous de que aller conçu au pays ou quoi que ce soit. Oui, j'ai quand même trop payé, mais bon, c'est dit, ben non. Mais moi, mon souhait à moi de trouver mon pauvre sel, ça va arriver un jour. Mais ça, c'est quelqu'un qui est bon. Vous comprenez? Il faut pas, quand vous attirez la malchance, comment on dit, quand vous attirez la pauvreté, comme moi souvent, c'est mon mot fétiche que je dis, que, oh, je suis pauvre, on dit que pauvre, veuve, pauvre. Mais je ne dois pas le dire parce qu'au fond, je ne suis pas une femme qui est pauvre. Je viens de ma culture, je ne suis pas une femme qui est pauvre. Et puis, je suis pauvre par rapport à quoi? Oui. Oui, il faut. Là, c'est un autre travail que je dois faire à moi. Parce que je ne comprends pas. Je suis pauvre encore. J'ai à manger, j'ai à boire. J'ai des amis, c'est des amis qui m'aiment. J'ai une vie agréable. Je me débrouille dans ma vie. Et encore, je suis pauvre. Ben oui. J'ai fait à ma famille ce que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu à faire à leur famille. Donc, à quel âge que j'ai fait ça? Donc, oui. Quand vous prononcez toujours un même mot, chaque temps, chaque temps, ce mot-là peut aussi vous impacter dans votre vie. Comprenez? C'est pour ça que moi, c'est la femme joyeuse, c'est la joie. Oui, moi, je veux un riche. Je suis une femme riche. Je suis riche à connaissance, riche. Moi, je suis une femme riche. Moi, maintenant, c'est la femme riche. Hein? Oui. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a les. Oui, c'est vrai. Parce que quand vous attirez, quand vous prononcez certains mots, vous répétez certains mots depuis un moment, les mots là se collent dans votre vie. Et puis vous n'arrivez plus à vous en sortir dans ces mots-là. Non, moi je suis une veuve riche. Parce que, attends, j'ai tout. Qu'est-ce qui me manque dans ma vie? J'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai mes amis, c'est des amis qui m'aiment bien. J'ai ma maman, je m'occupe de ma famille, j'ai mon emploi rouge qui va bientôt s'ouvrir bientôt. J'ai les amis, je mange, j'ai les gens qui viennent manger mon gada. En quoi je suis pauvre? En quoi je suis pauvre? Oui, en quoi? Donc, je dois effacer ce mot de pauvre dans ma tête parce que c'est comme si j'insultais les pauvres. Parce qu'il y a d'autres pauvres, il y a les gens qui sont, il y a les femmes qui sont pauvres. Il y a les femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont rien eu du tout, qui sont pauvres. Je ne dois pas me, je n'ai pas le droit de citer ce mot-là, ce mot de pauvre. Parce que c'est pas bien. Ben oui. Parce que moi, j'ai tout ce que je veux. J'ai les moyens de voyager, j'ai les moyens de faire ce que je veux dans ma vie. Mais oui. Et en quoi? Oui, parfois, il faut que je me mette en question moi-même. Vous comprenez un peu? Je dois me mettre en question pourquoi je dis tout le temps que pauvre veuve. Non, je ne dois pas le dire. Non.
C'est un mot que je dois effacer dans mon vocabulaire, dans ma tête, dans mon conscient intellectuel de pauvre, comme je dis souvent là. Mais oui, parce que souvent je regarde, il y a des gens qui sont même ici à Paris, il y a des femmes qui sont démunies plus que moi, alors que moi j'ai tout. Moi, je ne veux même pas manger. Peut-être que je n'ai pas de voiture, comme on dit, mais moi, j'ai tout. Moi, j'ai tout. Je peux appeler un taxi maintenant pour aller n'importe où. Je peux faire ce que je veux. Oui. Donc, je ne dois pas dire certains mots. Oui. Oui. Donc, non, je ne suis pas pauvre. Non, je ne suis pas pauvre. Que ce soit ici, que ce soit comme je ne suis pas pauvre. Mais bon, comme l'homme africain, dans notre subconscient qui est tellement bas, qui est tellement bas, démuni de connaissances, vous voyez un peu, on se met dans ce genre de c'est comme si on nous impose, bon, je m'impose ce genre de phrases en disant que je suis pauvre. La pauvreté, ça ne veut pas dire que, bah oui, ça ne veut pas dire que je peux être pauvre de ma connaissance. Je peux être pauvre de ma connaissance de mon vocabulaire, pauvre de ma connaissance des mots que je dis, pauvre de, je ne sais pas, de la connaissance en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais, voilà, moi quand je regarde d'autres personnes, je me dis, attends, si le bon Dieu existe, c'est quand même une femme bénie, quoi. Donc c'est un peu quelque chose qui est assez. Il faut que je dois travailler ça, quoi. Il faut que je travaille ça. Parce que j'ai que je travaille ça. Ouais. Je dois travailler ça quand même. Parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas bien, quoi. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec mes invités depuis hier. C'est vraiment. Oui, je suis quand même riche en connaissances. Oui, riche en connaissances, ouais. Mais vous savez, quand vous quittez votre monde à vous, et vous restez dans le monde des gens qui n'ont pas connu certains un autre monde, le monde de la connaissance, le monde des grandes personnes, le monde de. Bon, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais bon. Donc, du coup, on se rend ridicule. Et moi, j'ai jamais été ridicule dans ma vie. Donc, voilà. Et comme je vous ai toujours dit dans les réseaux sociaux, je suis comme vous voulez, mais bon. Et à parfois, je peux sortir de mes coins, je peux parler d'autres choses, je peux parler d'autres cultures, des cultures que j'ai connues. Tout, mais. Et bon, comme ici dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais bon. Vous savez, parfois, on a. Quand on a quand même un peu de connaissances dans la vie, c'est-à-dire quoi? Qu'on a quand même connu du beau monde, connaissances de beaucoup de choses dans la vie, et que parfois, on vous ramène dans des histoires de bas monde et tout, dans des histoires de sous-baptême et tout ça. Du coup, bon, on se limite pas à ça, quoi. Donc, voilà. Et moi, je vous ai dit, en 2022, moi, je retourne dans mon petit monde à moi, quoi. Donc, voilà. Voilà. Je me suis trop fait rabaisser dans les réseaux sociaux. Et moi, j'ai dit, l'année de mon année. Cette année, oui, j'ai besoin, quoi. Même mes enfants me disent, mais maman, attends. Oui, je n'ai pas été à l'école, j'ai pas été allé. J'ai été à l'école, bien sûr, mais j'ai pas. Mais j'ai quand même vécu, j'ai quand même connu du beau monde. Donc, je dois retourner dans mon monde. Donc, voilà, je pense que c'est mieux, quoi. Et puis, bah, ça ne serait pas facile de retourner dans ce monde-là, mais je vais apprendre encore à être dans mon monde à moi. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Bon, là, comme vous avez vu la maison, comment la maison est là. Donc, après, maintenant, je me repose bien là. Après, je vais aller dans la cuisine là. J'arrange tout. Waris a fait publicité. Et Waris, tu mérites un champagne. Ils sont partis. Waris, a fait le pied sur le Waris a parti. Et Waris, merci. Et Waris. Oh, de Komamugu.
Ma personne se commence. Merci d'être là. Waris, je t'ai dit, ils sont partis. Oh. Ils sont partis. Ton coup de pique, qu'ils ont envie, bim, ils sont partis. Oui, moi je gagne, moi, oui, hein. Demain matin, vous allez me voir, aller travailler. Mais oui. Mais oui, mais bon, la vie c'est comme ça. Hein. Mais oui, vous avez, regardez. Depuis le matin, depuis 2h du matin hier, c'est maintenant que je me. Vous voyez mes pieds. Il y a les veines qui sortent partout. Oui, parce que vous allez dire, ah, quand je montre que je travaille, oh, tu ne travailles pas, tu n'as plus les clients. Moi, je ne montre pas, je vais seulement montrer un peu. Regardez ma cuisine, regardez tout, ma maison. Tout à l'heure, je dois faire tout. Je dois faire tout. Là, mais là-bas, c'est ouvert partout. Les odeurs et tout. Parce que vous aimez. Hein. Vous avez entendu? J'ai quand même travaillé un peu, je suis contente. Eh! Alors, vous n'aimez pas la veuve, vous êtes toujours là. C'est facile. C'est pas facile, hein, mais quoi aussi. Pas du tout facile. Il faut gérer les filles. Hein. Il faut gérer. Hein. Surtout quand une femme vient avec son gars, que le gars est beau. Tant que la veuve est en train de tourner, chercher pour tourner le poisson là-bas, il y a déjà un problème ici. Il faut que je. Maman. Donc, en tout cas. Ah, Waris, Bekia, ils sont partis. Allez, Waris. Merci. Le coup de pied que tu as donné, bim! Un coup de pied légendaire. Parce que notre frère dit qu'il a giflé là. On ne parle pas. Excusez-moi, pas son nom ici. Tu as fait ta part. Tout le monde a vu. Ils ont eu peur de mon quartier ici. Rien que ton coup de pied que tu as fait, bim! Ils ont eu peur de moi au quartier ici. Merci ma personne de penser à moi. Mais est-ce que mon emploi est là depuis des années? Ça va aller. Mais je vais aller au Cameroun bientôt, non? Ça va aller. Je te dis. Dès que je dors, quelqu'un m'a tiré des pieds, c'est que. Viens nous faire le bouillon. Veuve, tu nous as ouvert la porte. Viens faire le bouillon. On m'a tiré. En tout cas, merci beaucoup à tous mes petits voix de province qui viennent à Paris, qui viennent recevoir la veuve joyeuse. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment tous mes voix de la province qui viennent. Et dit que non, on va manger la voix. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Oh. Merci beaucoup. Je vous dis, oh, merci beaucoup. Et. J'ai dit que merci beaucoup à tous les rois de la province qui viennent, qui passent par ici. Merci beaucoup. Vous allez m'aider comme ça. Et même moi, comme je suis. Je suis avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Oh, les petits gars. Hé, qui est la maison si ouais. J'ai dit que moi, je m'habille maintenant comme ça. Je cache mon corps. Pourquoi? Parce que il y a certains qui peuvent dire que, ah, parce qu'il y a certains qui disent que non, nous, on veut, ils imposent à leur copine que nous, on va chez la veuve. Donc, il faut que je m'habille comme ça pour cacher mon corps. Je ne me maquille pas trop pour qu'elle soit rassurée. Parce que quand je vais mettre ma part, tu vois, on va dire que il vient là parce que la veuve joyeuse c'est comme ça, tu vois, non? Vraiment. Donc là, moi, je vais même cacher mon corps, tu vois, non? Donc, vraiment, merci beaucoup à tous les Waros, à tous les gens, à tout le monde qui passe par Paris, qui vient manger chez la veuve joyeuse. Je vous remercie. Depuis des années, je vous remercie. Oui. Ici, vous êtes chez votre soeur. Chez votre ami et chez votre Warriors. Vraiment, ici, vous serez toujours bien reçu. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Ah oui. Ah,
Oh, voyez, ça fait pim. Mais oui, vraiment. Vraiment, ils sont partis. Tout se passe bien ici. C'est calme. C'est bien. Maman. Oui, donc voilà, vraiment. Alors, là, maintenant, là, il faut maintenant que je me tourne là pour aller faire laver les marmites, les assiettes et tout, parce que depuis hier, je suis au fourneau. Venez toujours me tirer les pieds. Vous me tirez les pieds. Que la veuve joyeuse descend avec nous. Oh, donc ils me disent que la veuve joyeuse, on t'amène en boîte, tu vas danser avec nous. Personne ne va te dire que j'ai peur de qui. Tu dis que non, je ne peux pas, je n'ai pas envie. En tout cas, on te porte. La veuve, on va en boîte avec toi comme ça. J'ai dit non. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vraiment, merci beaucoup à tous les gens qui me soutiennent. Merci à mon président, Dekoma Mougou. Merci à Waris. Merci à tous les stars qui me soutiennent. Loulou Fondja. Tous les stars qui me soutiennent. Vous êtes nombreux à me soutenir. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci. Merci à tous les Waris, même les non-Waris qui me soutiennent. Je vous remercie vraiment beaucoup. Donc, voilà. C'est grâce à vous que l'engrenage est toujours là. Ne restons pas. Nous, on fait le game des réseaux sociaux. On se suit après, on est ensemble. On va faire comment? Oui, malheureusement, pour ce dernier temps, il n'y a que les Ivoiriens qui ont pris la toile. On va faire comment? Et vous savez que moi, je suis une personne que moi, je n'ai jamais pu. Je ne parle pas des choses des grandes personnes. Moi, je parle des petites choses dans mon petit monde à moi. Donc, vraiment, sans vous mentir, je remercie tout le monde. Je ne veux pas citer le nom des gens qui viennent chez moi. Je vous remercie vraiment beaucoup. Parce que c'est énorme ce que vous faites pour moi. Les reines mains bio. Reines mains bio, c'est comment? Natacha de Monaco, je remercie vraiment. Je suis en train de remercier tous les gens qui viennent au Ngada, qui me mettent en haut, qui vraiment, qui viennent, qui pensent à la veuve joyeuse quand ils sortent de passage à Paris, qui viennent manger ici au Ngada et tout, et tout, et tout. Donc, c'est un grand merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, arrêtons, nous sommes tous des sœurs camerounaises, frères camerounais. On fait nos fanponnages, on fait nos concubinages, on fait nos choses à Facebook, on fait pac, 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 pac à Facebook, mais il faut qu'on reste ensemble. Et moi, je ne cesserai de vous remercier. Oui. Mes comptes, en ce moment, mes comptes, si, mes comptes sont assez un peu restreints, mais peut-être que c'est un peu ouvert, hein. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est vrai, parce que il y a certaines choses qu'on m'envoie, j'ai rien dans ce compte, c'est mes comptes. Parce que mes comptes, je suis dans les directs, mais mes comptes sont fermés pour certaines choses. Mais comme c'est comme si on est en train d'ouvrir ça. Voilà. Donc vraiment, je vous remercie. Je remercie tous les gens qui m'aident, même qui m'envoient les petits 20 euros, 10 euros là. Je vous remercie, vous tous. Je peux que vous remercier. Voilà, moi j'ai créé mon petit Nganda ici. Les gens ont pris ça autrement. Oui, grâce à Dieu, les bandits d'en bas là sont, les démons d'en bas sont partis. Là maintenant, je suis bien, je dors bien, je suis heureuse et je remercie les gens qui viennent ici au Nganda manger. Les réseaux sociaux peuvent faire qu'on se divise, mais ne laissons pas que les gens nous divisent dans les réseaux sociaux. On ne doit pas se diviser, s'il vous plaît. Tout le monde peut insulter. Tu m'insultes, j'insulte. Et puis, on reste ensemble. Le Cameroun, c'est le pays des injures. Vous connaissez notre pays, comment nous on est. On a grandi ensemble, on est ensemble. Donc, vraiment, encore merci pour tous les gens qui viennent chez moi aujourd'hui et avec qui aujourd'hui. Bamineke, Bassa, Ewundo, Aoussa. Depuis hier, il y en a qui ici? Les tchans, les bafans qui sont là depuis hier. Ils sortent de. On appelle comment? Quel pays? Ils sont là avec la veuve joyeuse. Est-ce qu'ils ne voient pas comment j'insulte les gens des réseaux sociaux? Pourquoi ils viennent ici? Où sont mes frères Betty? Frère, où sont mes frères Boulou? Je ne vois pas. Mais ici, il y a les bassins. Et à tout le monde qui est ici.
parce qu'ils aiment la veuve joyeuse. La pauvre veuve, comme je vais accorder la pauvre veuve, mais la riche veuve, je suis devenue riche veuve. Je suis devenue la riche veuve des réseaux sociaux, la riche veuve. Parce que c'est mon comportement, c'est comment je me comporte que les gens m'aiment. Les bassins sont là. Il y a même un bassin qui est encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, pour la surprise que j'ai depuis hier jusqu'à maintenant là, c'est vraiment une énorme surprise pour moi. Et je remercie le peuple camerounais de me soutenir. Nous sommes ensemble. Tu m'insultes, je t'insulte, Howa. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vous remercie. Venez chez votre soeur, de votre Nganda, la veuve joyeuse. Venez chez moi. Je suis une femme comme vous. Je suis votre soeur, je suis votre compatriote. Et si c'est comme ça, je vous attends ici au Nganda. Oui, la reine m'est bio. Ma, c'est comment? C'est que depuis hier, je n'ai pas encore dormi. Oh, Yango, Yango, Yanga. Tu dis grec, grec de quoi? Hein? On va prendre vos commentaires, hein? Moi maintenant là, moi j'ai mis un truc là maintenant que vos commentaires, on va vous bloquer, hein? C'est pas mieux qui bloquer, hein? Il faut faire attention, hein? Ah, parce que tout le monde voit comment vous me suitez, hein? Maintenant, mes comptes, maintenant là, tout le monde qui vient faire truc là, on va vous prendre, hein? Donc, je vous remercie vraiment. Je suis une femme que je me bats. Ouais! Red Man Bio, toi, tu vas faire. On va faire le. Non, le tout si. On va faire le. Comment on appelle ça? Le tout de vérité. Le mot de vérité. Oui. Tout le monde sera là, non? Ouais. C'est quoi? N'est-ce pas, toi, tu as parlé qu'il faut qu'on arrête. Moi, j'ai arrêté. Oh. Nous, on est là. Moi, j'ai arrêté, moi, les premiers à Facebook. Donc voilà, je n'oblige personne à venir dans mon Ganda. Je n'oblige personne à venir manger chez moi. Mais pour l'instant, on parle d'une chose de placata dans les réseaux sociaux. C'est tout. Quand je vais chamer avec quelqu'un, je chame. C'est tout. Ceux qui veulent prendre ça mal, prenez ça mal. Moi, je suis moi là. Moi, j'aime tout le monde. Parce que j'ai regardé. Tu regardes à droite, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Derrière, devant, partout, il n'y a rien, il n'y a que toi. Depuis qu'on bagarre ici, oh, pour bien Moscou, oh, comme ton président, on est où aujourd'hui? N'est-ce pas tout cela? Non. Comme je vous ai dit, je suis dans mon bagarre ici. Moi, je supporte moins que le pouvoir en place. Ce qui est sûr, c'est ça. En tout cas, en bon entendeur, salut. On met nous la musique, pardon. Moi, je suis dans mon bagarre. Qui me supporte d'abord ici? Je suis là. Depuis hier, si j'ai peut-être fait comme le sommeil. Regardez, le piment encore posé sur la table. Hein? Le piment, notre piment qu'on écrase toujours. Hein? Regardez le piment. Voilà le piment qui est posé là. Le piment. Voilà mes chambres qui sont ouvertes. Les deux chambres. Voilà ma chambre là-bas. Voilà chambre. C'est ouvert. Hein? Et à un moment, je change de fusil d'épaule. Ma personne, tu regardes, tu dis que, tu vas mourir à Facebook par rapport à quoi? Les gens changent les fusils d'épaule tous les jours. La voix joyeuse aussi doit changer les fusils d'épaule, non, ma. Je dois aussi changer les fusils d'épaule. C'est vrai que je reste là que dans la haine, là, la haine, on dit que je suis ma haine. C'est vrai que j'ai dit que zéro paix. Oui, zéro paix, c'est vrai qu'il y a zéro paix, mais dans le zéro paix, là, il y a aussi la paix dedans. Il faut comprendre que je dis que zéro paix, mais dans le zéro paix, là, il y a aussi la haine, il y a aussi la paix dedans. Vous comprenez, non? Regardez-moi, là, depuis hier. Là, maintenant, j'ai eu mon petit caco là. Maintenant, je vais éteindre ma main. J'éteins là. Vous croyez que là où je suis, je vais aller laver là, je ne lave pas. Demain, je vais laver ça. Vous croyez que je vais aller me lever là, quoi, pour aller laver quoi, sur ça, ma. Non, je ne lave rien. Le piment, là, c'est bon, va là-bas. Après, je vais m'amener dans l'engrana là-bas. Je dors dans ma chambre là-bas. C'est tout. Mais oui. Non, les choses doivent avancer. On doit avancer. Voyez les Ivoiriens. Les Ivoiriens nous ont trouvés dans les. Hey! Nous ont trouvés dans les. Oh, oh, les voilà là-bas. Les pages monétisées, hé, ça. Nous, on est tués là. On est tous dans les bacata choses. Non, nous, on doit avancer.
Moi, je suis pour qu'on avance. Hein. Et tout, si je veux plus m'en faire les problèmes à Facebook. Je veux plus dire qu'il n'y a pas. Non. Moi, j'avance aussi. Moi aussi, je veux aussi avancer. Je veux rester dans le noir ici, là, dans l'engada ici. Moi aussi, là, je dois avancer. C'est vrai. Moi aussi, je dois avancer, ma. Je veux rester dans l'engada ici. Année en année dans l'engada. Chasser moi, ça ne me chasse pas. Non. Moi aussi, je dois avancer. Hein. Non. Ma vieillesse, la vieillesse arrive. Je suis restée dans. Oui, le meilleur à venir, ma soeur. Hey. Nathalie Babalé, je veux rester dans l'engada ici que pour avancer quoi ici. Tu tournes, tu tournes, tu te réveilles l'engada, tu te réveilles l'engada, tu te réveilles l'engada. Que c'est quoi, c'est l'engada, que c'est ma vie. Non. Enfin, je veux servir un petit verre, je bois un peu. Ouais, eh, Annie. Oh, je veux dire que Facebook aussi fait ce soir. Ouais. Tu as quoi payé? J'espère que tu ne trompes pas notre président là-bas. Hein. Notre beau gosse là-bas. Hein. Comme vous partez souvent au pays là. Vous les femmes mariées là, toujours au pays là. On vous dit jamais quoi là-bas au pays. Mia, j'ai payé. Hein? Aïe, j'ai payé, Nathalie. Je n'ai aucun droit dans les bisous, je veux dans ça. Je n'ai aucun droit dans les bisous. Ah ouais. J'espère qu'elle est au Cameroun. Quand je vais aller au Cameroun, je vais quand même prendre un autographe avec elle. Hein, parce que je l'aime beaucoup. Je bois. Ah bah oui, parce qu'il faut que. Bah, vous prenez des autographes avec vos stars. Moi, c'est ma star. Hein. Moi, je l'aime bien. Bah oui, moi, j'aime bien Mimi. Je l'ai découvert comme ça. Et puis bon, je l'aime bien. Je vais prendre un autographe. Si elle a droit là, quoi, je vais essayer de la voir, je vais l'inviter à mon hôtel, ou bien je vais la voir où elle est, je prendrai un petit coup avec elle, et tout, voilà. Parce que j'aime ce qu'elle fait, j'aime bien. Attends, entre les stars. Donc, comme je vous disais, depuis hier, moi je me débrouille, je vous ai dit. C'est parce que la dame qui était là, vous voulez passer un message. C'est pour ça que j'ai filmé tout à l'heure dans ma vidéo que j'ai fait là tout à l'heure. C'est tout. Sinon, moi, je ne filme plus les gens. Parce qu'il y a déjà des problèmes. Parce qu'apparemment, chez moi, je filme les gens. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que je vous filme ou pas? Je n'en ai rien à foutre. Vous savez qui je suis? Donc, toi-même, quand tu serves la veuve joyeuse, tu sais que c'est la veuve joyeuse qui est là. Donc, quand tu te filmes avec moi, tu sais très bien que la photo va sera diffusée dans les réseaux sociaux. Ou le truc. Donc, il faut savoir. Et je demande toujours que. Ne te filme pas avec moi. Mais attends. Hier, je suis ici. Écoutez l'histoire que j'ai eue. J'ai même expliqué ça hier dans une de mes vidéos. C'est quoi, il y a une femme qui m'appelle. Oui. Il y a trois personnes qui m'ont dit ça. Ouais, la veuve. J'ai dit, oui, il y a quoi? Oui, hier, on était à une soirée avec Fleur de Lille. Elle dit quoi? Oui, elle a fait une vidéo. Elle nous a filmé. On ne voulait pas qu'elle nous filme. Elle dit, ok. Il a dit, mais elle ne voulait pas qu'elle vous filme. Elle vous a filmé. Est-ce que. Et il a eu le problème. Quelle vidéo vous vous situez où dans la vidéo? Non, quand elle avait fait la vidéo comme ça, on nous voit bien derrière. Je dis que vous, on vous voit bien derrière. Ok. Et c'était où? Dans leur futur mariage. Là. Il y a la femme là qui me dit, attends, il y a un problème. Vous savez très bien qui a la caméra. Hein? Quand j'ai fait la caméra comme ça, et quand j'ai fait comme ça, c'est pour filmer tout le monde qui est autour de moi. Oui. Est-ce qu'elle a fait ça comme ça quand elle s'assoit comme ça, comme je m'assois là, que là, il n'y a que mon drapeau que vous connaissez là. Je suis dans ma maison ici. Oui. Moi, je me filme là-dessus chez moi. Tout le monde sait que ici, là, c'est le parlement. On est au parlement. Maintenant,
Si Fleur de Lille a fait une vidéo et qu'elle a fait comme ça pour monter, ça, quoi, ils voient avec moi. Donc, il faut que moi, c'est moi qui dois dire à Fleur de Lille d'enlever la vidéo là parce qu'on les voit derrière. Parce qu'apparemment, quand Fleur de Lille faisait ou c'est comment, il y avait le mari d'une. Tu as les Camerounais, vraiment. Vraiment. Les histoires, Tommy Debout. Mais, vous savez très bien qui est dans vos soirées, qui est. Quand elle fait la vidéo comme ça. N'est-ce pas ici, quand elle filme, tout le monde dit que. Hein? On dit ayo. Là maintenant que, apparemment, Fleur de Lille avait fait une vidéo. Elles étaient où au mariage de Kyo. Et puis elle avait fait la vidéo comme ça. Et puis il y a. On les voit derrière. Et on voit le gars d'une femme mariée. Je lui ai dit qu'écoute-moi très bien. Ça ne me regarde pas. J'ai demandé à la femme là que. Est-ce que tu veux que je te donne le numéro de Fleur de Lille? Toi-même tu l'appelles. Et puis j'ai encore dit que non. Parce que ce n'est pas possible. Parce que le WhatsApp. Moi j'ai le WhatsApp de Fleur de Lille privé. J'ai dit que non. Et puis j'ai compris que c'était un guet-apens. Parce que c'est comme elle pense que, comme j'insulte Fleur de Lille tous les jours, qu'elles vont venir. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit une chose, que vous ne connaissez pas les rouages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très dangereux. N'est-ce pas, vous avez dit que ne parlez plus avec moi. Mais elle et moi. Je vais l'appeler quand je veux. Elle peut m'appeler quand elle veut. Mais vous êtes tellement bête. Quand vous partez dans vos mariages, vous m'invitez. Je suis non événementiel. Et moi, j'accepte mon nom que le non événementiel. Parce que moi, je vais aller dans quels événements? L'événement des poupées, l'événement des mariages où on s'habille pareil et tout, je ne suis pas. Est-ce que les femmes de. Je suis une femme de blanc, je ne peux pas m'habiller avec les mêmes tissus que tout le monde. Je dois mettre. Je peux m'habiller comme ça pour aller en mariage. Je peux m'habiller avec mon. Avec ma petite. Une petite robe de blanche et tout, je m'en vais au mariage. Je ne suis pas obligée de coudre les cabas ou de coudre la même tenue que tout le monde ou de me montrer. Parce que j'ai remarqué qu'ici, maintenant, en France, ici, c'est dans les mariages, dans les soirées que toutes les Africaines se surpassent. Alors qu'elles peuvent se surpasser pour aller n'importe où. Ah bah oui. Quand nous, on se surpassait ici, vous étiez où? Gloria Luis, laisse. J'ai vu. Laisse là. Vous savez, il y a des gens comme ça. Moi, je bois le coca. Mais je ne suis pas sous. Laisse. Parce qu'ils veulent que. J'ai décidé que je ne prononce plus certains noms quand je n'ai pas envie de parler. Moi, je parle de tout, de rien. Moi, je parle de mon ganda. Comprenez, non. Donc, laisse. Le fait même que tu parles, la réponse, là, c'est autre chose. Qu'on ne lave pas. On peut encore laver une épave comme moi. Je suis une épave. Je suis celle qui n'est rien. Celle qui ne vaut rien. Celle qui n'a rien fait dans sa vie. J'ai échoué ma vie. Mon mari m'a rien laissé. Je suis pauvre. Je suis dans le HLM. Mais ça fait quoi? Mais tant que je suis dans mon HLM, moi je vois la tour Eiffel. Moi je suis bien. Ça dérange qui? Je vends mon petit ganda ici. Ça vous dérange à quoi? Je vous demande quelque chose. J'ai dit qu'aucun litchi à Facebook. Aucun litchi. Hein? Ouais. Et mon papa. J'ai dit qu'aucun litchi. Allez faire le litchi. Pas ce qu'on dit là. Allez faire le litchi. Je suis là. Je veux knock. C'est tout. Et que, comme insulte, quand on dit que je suis rien, ça fait quoi? Depuis des années que je suis rien, on m'a vu dehors. Je pars au Cameroun, je voyage, je suis. Quand je viens, je fais pac. Ça veut jouer un dans son ganda. C'est tout. Vous partez aussi. Et que je suis dans vos choses là. On dit aucun litchi. Je ne parle pas. Qu'on me dénigre. Qu'on appelle pour moi. Qu'on dit que ceci. J'attends le litchi ici. Je dis que. On parle de litchi ici. Moi, je sais où j'attends. Aucun. Ouais, là, ça me. Ça, je sais pas comment on dit ça, c'est au Cameroun là. On est pour là-bas, attends. Quoi? Regarde, moi je suis là. Tu dis qu'on a dit que quoi? Moi je regarde mon lit.
Ce n'est pas grave. Bon, ma tour ne venait pas allumer. Regardez. Moi, j'ai la belle vue. Hein. La tour est faite loin là-bas. Là-bas. Vous avez vu là-bas. Voilà. Il y a les, vous avez vu les nuages qui sont en haut de la tour est faite là. Voilà. Les nuages, vous avez la tour est faite. Wow. Ouais. Oh, Yango, 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 la tour est faite là, comme la vôtre. C'est tout. Abimte. Tant que je suis ici là, aucun litige. Abimte. Et voilà. Eh oui. La tour est faite. Connaissez soit me dit bonjour. Vous aimez m'entendre ici à Paris. Parce que les gens rêvent seulement que je quitte ici. Je ne peux pas quitter ici. Parce que j'ai le temps. Allez faire vos choses là. À gauche, à droite. J'attends seulement qu'on va dire que. Va voir Titi. Va voir PayPal. Facebook. Je te dis que. Il faut sortir. Mes cornes. Mes cornes! Ouais. J'ai vu la soleil. On va voir ici, le litchi là ici. Faites vos litchi. Vous allez apprendre à bosser comme la vie joyeuse. Demain matin, vous allez me voir me réveiller ici. Demain matin, vous allez me voir me réveiller ici. Pour aller travailler. Vous êtes couché. Nous tous sommes commandés. Il faut commander avec raison. Il y a encore pour toi. Dans la vie, hein. On ne tente pas les diables, ça c'est vrai. Mais dans la vie, parfois il faut le tenter parce qu'il y a des gens qui sont tellement méchants, tellement méchants, tellement durs avec vous. Je vais vous poser une question. Hein. Bon, dans la Genèse, dans les trucs, on dit que le diable a les cornes. Qui a déjà vu le diable entre vous? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu le diable? Non. Mais, pour ceux ce sont pas les cornes du diable, ça. Ce sont les cornes de, comment on appelle, d'un buffle et tout ça. Bon, c'était pour Halloween. Mais comme je sais qu'il y a des gens qui sont... Mustapha Machiavélique, déjà un. Ton nom c'est Machiavélique, donc tu dis que laisse le nom de ma pépé tranquille.
Je suis une droguée, mais je suis une drogue de la vie. Oui, tu es venu parce que tu as vu le. Tu as vu. J'ai sondé ton maître. Et ton maître t'a envoyé. C'est pour ça que tu es venu. Regarde d'abord ton nom. Jusqu'au machiavélique. Parce que tu as vu que j'ai mis les cornes du diable, mais non. Le diable n'a pas les cornes. Le diable, ce sont des gens comme toi. Tu entends? Je pense que là où tu es là, dans ton petit monde là, tu entends, non? Ta vie te dépasse. C'est même qui ça, il sort de là, c'est qui ça? Mais il faut quand même qu'on regarde un peu ce fait. Regardons un peu son profil là. Le foie va te tuer. Pendant ce temps, tu réchauffes bien, pépé, tu bah, ah ben dis donc. Je préfère encore que le diable me réchauffe que la carte là. Tu m'entends? Qui réchauffe qui? Oui, sauf que je veux parler des gens qui ne me servent à rien. Quand tu vois une jeune fille boule de sang humain comme moi, je te vois, Pépé, tu sais qui? Oui, mais Pépé, tu, elle est réchauffée par son gars, par Adou, Adou, Adou. Mais toi, tu es réchauffée par qui? Mais toi, tu viens te réchauffer chez la veuve joyeuse parce que tu veux que je parle de toi. Quand tu me vois, tu es content, tu es réchauffée. Parce que tu vas entendre ma douce voix. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi venir parler des gens qui n'existent pas dans mon monde? Je te pose une question. Bah oui. Ben justement, qui te réchauffe, toi? Moi, je suis réchauffé par ma maison. Toi, mon chéri qui est à côté au fond là-bas. Toi, tu es réchauffé par. Toi, tu viens te réchauffer ici au gouvernement de la joie. Et nous, on veut bien t'accueillir dans notre réchauffement. Ben oui. Légionnaire, normalement, je ne veux pas que j'étais bloqué, non. Je suis fatigué, je suis très fatigué. Parce que j'ai travaillé là depuis. Je travaille depuis hier soir. Depuis 2 heures, je travaille. Moi, je cherche mon argent. Oui, je sais ce. Oui, il faut. Non, quand vous savez, mes verres, quand c'est comme ça, il faut les répondre doucement. Pour qu'ils entendent bien ce que tu dois leur dire. Non, même si, ma chérie, Laurette, avant, il y a un problème. Derrière un faux profil se cache un être humain. Hein? Qui est là. Son cœur bat. Qui est conscient des faits qu'il fait. De ses dires. De ce qu'il écrit dans les réseaux sociaux. Donc, parfois, quand tu insultes ton faux profil, il faut insulter ce faux profil-là parce que ça l'atteint. Parce que quand tu crées un compte, c'est toi qui le crées. Quand tu insultes ce compte-là, c'est toi qu'on insulte. Donc arrêtez de dire que non, les faux profils ne sont pas insultés. Il faut toujours insulter et dénigrer les faux profils. Parce que ce sont les gens d'être de chair. Vous comprenez? Ce sont les gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Quand tu crées ton compte faux profil, n'est-ce pas? Ça se représente dans notre mouvement des réseaux sociaux. Donc c'est toi. Maintenant. Quand moi j'insulte un faux profil, je t'insulte bien parce que ça t'atteint. Parce que ce profil-là, c'est comme on dit des avatars. Hein? Ça t'atteint toi. Vous avez vu le film Avatar? Les gens étaient assis comme ça, mais ils combattaient dans leur mouvement d'avatar là. Quand on est touché là-bas, tu vois, dans la réelle vie, on est touché. C'est comme la sorcellerie. C'est comme la sorcellerie, c'est tout. Oui, si vous laissez les faux profils. Et venez vous insulter, vous dénigrer et vous ne répondez pas. Ça veut dire que vous êtes faible. Donc c'est pour ça que moi, je les insulte bien. Pour qu'ils ressentent bien le mal qu'ils font. Oui? Que quoi? Bah écoute, bon. Déjà, toi, déjà, je ne sais pas qui tu es. Donc ça ne sert à rien. Quand tu ne sais à rien d'avant, ce que tu racontes, c'est des conneries. Bon, on te laisse passer. Bon, on te casse le cou. Bon, tu ne dis rien.
Non, mais non, il faut parfois entrer dans le dans la tête de ces gens-là. Vous comprenez? Ben oui. Quelqu'un sort de nulle part, la personne va venir t'insulter. Elle va créer un faux compte pour venir te dénigrer. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il faut lui faire comprendre. C'est toi maintenant entrer dans sa tête, dans son subconscient, pour lui dire que non, tu existes. Tu es un être fait de chair et de sang. Donc quand je t'insulte bien, ça te touche. Et c'est ce que moi je suis. Parce que tu ne peux pas. Le faux profil, c'est quoi? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui. C'est toi-même qui crée le faux profil. Tu vas à Facebook. Tu demandes l'amitié à Facebook, tu fais le créer. Donc c'est toi-même qui as créé. Donc il faut accepter les injures, c'est tout. Depuis des années qu'on m'insulte. Mais tu viens m'insulter, j'ai fini avec toi, vous. Mais oui. Et puis tu attends. Parce que dans cette personne aussi qui insulte beaucoup de faux profils, c'est moi. D'où vous entendez mon pseudo-nom dans les réseaux sociaux que, oh la voix joyeuse, elle passe son temps à insulter les gens. Ah oui. Ah oui, voilà un problème qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui. Je suis réputé pour celle qui insulte les gens. Et moi, je dis non. Moi, je n'insulte que les stands bacata. Quand vous entendez dire que j'insulte les gens, c'est parce que je les insulte au profond d'elles-mêmes. Mais c'est vrai. Mais oui. J'insulte les gens de qui? J'insulte un faux profil. Mais quand j'insulte un faux profil, parce que quand moi j'insulte à Facebook, moi j'étais plus bien comme une fois. Même la plupart des stars bacata me connaissent. Parce que c'est fort. Parce que quand moi je parle que je te fais clic, tu sens ça toi-même dans ton cœur. C'est tout. Même le cœur, ça dépasse le cœur. Vous ne me connaissez pas très bien. Oui, le problème que j'ai, c'est ça. On dit, oui, la voix, tu passes ton temps à insulter les gens. Vous êtes qui? Tu viens me trouver dans mon lancée, tu viens m'insulter et tu dis que je ne t'insulte pas. Mouf! Je t'attrape bien! Moi, je n'insulte pas les injures du quartier. Je te prends une fois. Je t'appuie seulement le couteau là où tu veux. Parce qu'attends, arrêtez de dire que les faux profils. Derrière, qui crée les faux profils? C'est un être humain qui crée les faux profils. Attention! C'est un être humain qui crée un faux profil. Donc, il doit assumer les injures. Oui, ce sont les gens qui ne s'assument pas. Insultez-moi si vous voulez. Mais quand je t'attrape, je t'appuie ça jusqu'au fond. Si ça dit que, ben, vous avez vu tout à l'heure la carte de mon tueur là, non? Quand j'ai remarqué une là que je connais un peu, mouf, vous avez vu comment ça s'est passé, non? Eh non, ce n'est pas ça, on m'a appelé tout. Parce qu'avec moi, ce n'est pas ça. Je ne suis pas n'importe qui. Lolo, eh, bon, tiens, je viens de finir l'eau, c'est comment? Lolo Mfondia, tu es à Paris. Lolo, moi, je suis à la maison, je suis à mort là, je suis fatigué jusqu'à. Je suis fatigué jusqu'à. Regarde ce que je bois. Coca. Il y a les bons vins ici jusqu'à ce n'est plus bon. Il dit qu'il y a tout ici. Je suis fatigué, même. Bienvenue à Paris, Lolo. Mais oui, n'arrêtez un peu. Lolo, je ne sais pas. Je suis fatigué. Sans te mentir. D'abord, il est que là, matin un peu, je ne sais pas. Les 22h39. Parce que là, je veux voir. Mais je n'ai pas envie de sortir. Parce que moi, je n'aime pas. Demain matin, je travaille. Dors. On peut se voir demain là. Bah, je te propose un truc. Si tu veux, demain, se voir demain là. Je on mange quelque part. D'accord? Parce que là, vraiment, là, je suis vraiment très fatigué. Si je me vois boire le coca à coup, il faut savoir que ça ne va pas. Ok, je t'appelle dès que j'ai fini mon direct tout à l'heure, ma cour. Tout fini. Mais arrêtez un peu de venir insulter souvent les gens. Vous insultez même les qui? Quand tu crées ton faux compte, machin, j'ai combien de comptes? Mais il faut accepter. C'est pour ça que les gens disent que, oui, la voix, je ne vais pas sortir à insulter les gens. Je n'insulte pas les gens. Moi, j'insulte les stars. Je peux insulter l'homme, je peux insulter tous les autres stars. Je peux insulter tout le monde. Mais vous, parce que vous venez m'insulter, vous vous permettez de m'insulter, vous me connaissez où? Donc, un faux profil se permet d'insulter mes enfants, ma vie, m'insulter ma maison, m'insulter mes cabinets, m'insulter moi. Et quand je te réponds, ça devient un problème. Hein? C'est la passe son temps à insulter les gens. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes rien devant moi.
Vous êtes le brouillard. Et votre brouillard ne va jamais s'éclaircir devant moi. C'est moi qui dois éclaircir votre brouillard. Vous allez rester dans le brouillard toute votre vie. Envers moi. Vous permettez de suivre les gens. Vous prenez pour qui? Quand j'ai bagarré avec Ngossa, vous étiez où? Mais je vous ai montré que je suis une femme. J'étais seule. J'étais démunie. J'étais désorientée. Je venais perdre mon enfant. J'étais seule. Mais j'ai quand même mis le tout de Ngossa au sol. Vous n'acceptez pas ça jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu a fait sa part de choses. Oui, j'ai une réputation, hein. Celle-là est pas sortie de ce genre. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous êtes les néants devant moi. Vous n'existez même pas. Vous êtes les gens que vous n'existez pas dans. Vous n'existez même pas. J'insulte Lolo, j'insulte Ngossa. C'est Ngossa qui vient me répondre. Vous êtes qui? Vous voulez la défendre. Vous êtes défendre qui? Celle n'a pas sorti un sujet. Donc, vous, je vais aussi souvent dire les gros mots parce que je connais les. Parler bien, mais bon, je parle vite. Donc, vous avez le droit d'insulter les gens comme moi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, ma réputation, oui, j'ai compris que j'ai une réputation que c'est qui insulte les gens. Mouf! J'écrase les pistaches et vous en riez à rien. Ramez. Regardez-moi les salopes comme ça, les vieilles prostituées de la basse cour. Vous voulez m'insulter? Moi, si. Donc, qui vous a dit que vous avez le droit de venir insulter ces gens dans les directs? Par rapport à quoi? Mais affrontez-moi. Ah ben oui, affrontez-moi. Moi, je pars à Château Rouge. Moi, je pars partout. Mais le problème, c'est que je ne fréquente pas vos endroits de basse cour, de la basse cour. J'ai fréquenté ces gens de milieu, mais je ne fréquente plus. N'est-ce pas, c'est juste non événementiel. Mais parce que je dois me faire rare. Je vais aller dans les soirées des Africains là. Je vais aller où? Pour faire quoi avec vous? Que je n'ai pas encore vu à Paris avec les Africains. Il faut que ça continue. Je vous laisse ma place. Prenez ma place. Allez dans vos soirées. Allez. Prenez ma place. J'ai déjà 46 ans. Je dois chercher mon poivre sel. Je vais aller finir avec lui. On va aller au bateau. Alors, on va faire la croisière, s'amuse. Voilà mon rêve. Et après, on finit à Saint-Méliman. Il va finir mon ampoule rouge. Abimté. Vous entendez? Je ne suis plus celle qu'on a dit que. Oh, celle qu'on n'invite jamais là. Maman, je suis comme vous. Maman, fallait voir le petit corps que j'avais. Oh, l'une des petites femmes camerounaises qui avait le plus beau corps. Renseignez-vous très bien. Même mes photos et vidéos. Mes photos. Que vous entendez que les gens ont fait les photos nuit et tu dois regarder mes photos. C'est bien moi. Le corps que vous avez vu là, ce sont mes corps. C'est mon corps. Ce n'est pas le corps des mannequins. Pourquoi mes photos ne sortent pas? Regardez bien mes photos nues. Pourquoi ça ne sort pas beaucoup? Parce que c'est la classe. C'est bien moi. N'importe. Regardez-moi celle-ci. Vous me connaissez? Hé! Antienne. Celle-là n'est pas sentée à insulter les gens. Je ne vous connais pas. Vous n'existez pas. Qui vous êtes? Vous êtes où? Vous sortez d'où vous? Minosa. Mais tu te permets, tu viens dans mon lieu, tu m'insultes, donc je ne dois pas t'insulter. Moi, je prends mon temps pour vous insulter. Mais arrêtons un peu. Parfois, il faut arrêter. Vous, attends. Même les gens, même que quand ils me voient. Mais c'est quelque chose qui est bizarre, c'est que moi, parfois, quand je n'ai pas fait mes courses à Château Rouge, moi, je pars partout. Hein. Avec mon caddie, je ne vous vois pas. Elles sont là, si elles me regardent. Il n'y a personne, aucune d'entre vous qui ose même se lever pour me dire que la veuve joyeuse, aucune. Et vous me regardez comme ça. J'ai votre temps, j'ai mon argent, je viens faire mes courses et tout. Je prends mon taxi, je rentre chez moi. Et oui, vous êtes où? Là, votre grande gueule, c'est dans les réseaux sociaux. Vous me voyez partout. Quand je sors pour aller dans vos milieux de 17e, 18e, personne n'ose venir devant moi. Pourtant, je suis une petite coup de femme. Pourquoi vous ne venez pas? Mais c'est bien beau, hein? De venir vous asseoir sur les réseaux sociaux ici, me insulter, me dénigrer. Mais venez alors devant moi. Vous allez voir. Non, je ne sais pas. Vous allez voir qui je suis. C'est je n'importe quoi. Oui? Il y a des gens qui parfois qui m'approchent comme ça, ils voient déjà comment je suis. Ils disent que non, la veuve, non, ne viens pas pour les problèmes. Oui? C'est parce que I am the prêtre. Je vous dis que je suis prête. Je suis prête. Je donne les rendez-vous souvent aux gens que viens me tuer dans cet endroit. Viens, si tu es une femme. Qui vient? Je ne vois personne. Hein?
Mais je suis pas là pour, j'ai pas venu à nouveau pour bagarrer. Mais oui. C'est quoi? Chaque temps, fait ce que, par rapport à quoi? Je suis dans votre classe. Mais dis donc, même maintenant là, que décide que la pauvre joyeuse sort, entienne, vous me voyez. Si on dit que voilà la pauvre joyeuse, là, je dis que non. Je, qui? Avec qui? Abaza. Bezaba. Mais le Bezaba m'a sauvé. Hein? Les gens comme ça, là. C'est la basse cour, la basse classe. C'est pas parce qu'on s'est mélangé et tout. Mais oui. Oui, je me suis trop mélangé. Je me suis fait trop dénigrer dans les réseaux sociaux. Tout le monde me dit n'importe quoi et tout. Tout le monde pourrait m'insulter. À cause parce que ma vie appelle la scène de cocaïne. C'est tout. Je suis arrivé là comment? Pourquoi m'a fait ça? Pourquoi m'a filmé? Pourquoi? Qui a demandé qu'on me filme? Oui. Et puis on va rester là. Veuillez jouer. Et... Tu m'insultes, je t'insulte, point barre. Tu finis avec moi, je finis avec toi, point barre. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Que c'est les guet apens. Venez encore, je suis ayant de prête. Je suis là, prête. Pour tout le monde. On est pareil. Moi, voici qu'il prépare. Vous avez vu là? Là, maintenant, je vais quitter là. Je vais aller faire le ménage là, tout seul. Je vais arranger ma maison, tout seul. Vous êtes où pour m'aider? Mais joyeuse, sale pute. Mais je dis, vous avez fait la pute avec moi, là. Vous avez fait la pute avec la veuve joyeuse. Hein? Vous voulez sucer là où je suis, ça, non? Vous voulez sucer? Vous avez fait une fellation? Vous pouvez faire une fellation avec moi? Vous savez comment il fait? Même pas 2 minutes, je vais vite faire bien fait. Tout le monde est content. Il a joué. Précoce. C'est du terrain précoce. Vous connaissez même quoi de la vie? Vous ne connaissez rien. Vous êtes là, vous faites vous êtes les novices, vous ne connaissez pas la vie. Demandez les gens qui me connaissent. Vous croyez que moi je dure avec un homme. Je dure parfois parce que parfois je vais laisser. Que je laisse un peu. Il faut respecter les gens. Vous n'allez pas entrer dans les trucs des gens, vous insultez les gens, vous êtes les gens. Et quand vous répondez, ça devient que la voix joyeuse est méchante. C'est une femme qui passe son temps à insulter, qui passe son temps à faire ceci. Non, je ne vous connais pas. Action, réaction. Tu me suis, je te réponds. Vrai ou faux, mes waouh. C'est tout. C'est quoi? Celle-là qui passe son temps, celle-là. J'aimerais bien qu'une d'entre vous vienne devant moi. Tu me dis qui tu es. Tu t'assois, même si tu es costaud, même si tu es qui, tu t'assois devant moi. Tu t'assois devant moi, tu me dis qui tu es. Et je vais te dire que ton nom, c'est qui? Tu t'appelles comment? Tu sors d'où? Tu m'as insulté. Tu dois me dire, quand j'étais insulté, est-ce que c'est passé? Parce que vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas. Vous venez insulter les gens, derrière les gens. Vous croyez que, est-ce que moi j'insulte les gens derrière les gens? Si j'insulte des comment, Mgo? J'insulte des comment parce que c'est ma personne. Je l'insulte. J'insulte Lolo pareil. Mgo, ça pareil. Nadine Baba pareil. Quand pareil. Parce que c'est les gens que moi je connais. Qu'on peut s'insulter. Prends. Vous sortez d'où? Vous venez défendre les gens. En venant défendre les gens. C'est vos vies, vous allez là, vos vies vont se partir dans les réseaux sociaux. J'ai dit que 2022, vous allez m'entendre parler. Quelqu'un va encore venir m'insulter, est-ce qu'il faut que. Bah, dit, même avec ton faux compte, on va te prendre. J'ai dit que. Même les papiers, vous n'aurez plus. Je vais vous montrer mon vrai visage, c'est moi qui vous dis. Continuez. Je vous dérange à quoi? Je vous dérange à quoi? Oh, voilà mes enfants qui sont. Laetitia est enceinte. Oh, voilà. Mais, vous connaissez ma vie plus que moi. Vous venez me dicter ma vie. Vous et moi, on fait le cadre ensemble. Demain matin, je vais me lever là, pour aller dans le foie. Hein? Je vais me lever dans le foie, dans la pluie, pour aller travailler, faire mes petits travaux et tout. Vous allez accoucher. Vous m'insultez, vous me dénigrez. Ton mari t'a rien laissé. Il m'a rien laissé. Mais j'ai quand même mon HLM. Oui. Comme il m'a rien laissé. Chaque chose en temps. Battery 5. Connected to Galaxy i2 Core. Jabadi, on est sur 1-1. Moi j'aime parce que c'est ce que commence à parler l'anglais.
C'est une tribu, on appelle ça les Ntoumou, ouais. Fleur de Liadjike t'attend au Cameroun. Pff, franchement. Bon, c'est ma soeur, même si elle m'attend au Cameroun, ça fait quoi? C'est mon ex-femme, non? Et alors, si Fleur de m'attend au Cameroun, bah, c'est une bonne chose. Il est où le problème si Fleur de m'attend? Si elle m'attend au Cameroun, il est où le problème? Fleur Lé, c'est ma soeur. Elle me frappe, je frappe, il ouvre le problème. Oui. C'est mon ex-femme et je veux m'arranger avec elle. Oui, pourquoi? Il ouvre le problème. Si Fleur Lé m'attend au Cameroun, elle m'a fait pour le Cameroun. Et alors? C'est ma mafo. Eh oui. Voilà. Ça vous va? Pourquoi que Fleur Lé est bon, on ne peut pas se parler un jour. On peut se parler. Oui. Oui. Facebook, c'est le game. C'est vous qui ne comprenez rien dans les réseaux sociaux. Bah oui, pourquoi? Franchement, vous ne comprenez rien à Facebook.
Chloé, c'est ma femme. Et on va se remarier bientôt. C'était un petit game. Ça vous va, là? Vous êtes tellement bête. Elle peut me dire les mots durs. Comme je dis les mots durs. Mais oui, mais on forme une seule personne. Le Cameroun est uni et indivisible. Il faut comprendre ça. Vous comprenez? Dans les champs, vous qui payez la derrière, le a dit que, le loi a dit que, Ngossa a dit que. Vous êtes tombé dans un tchoukoumske sur c'est ça. Quand je framponne, Félix, je la framponne une place. Quand elle me framponne, elle me framponne une place. Vous entendez? Les seuls qui vont tomber dans les pieds pièges, c'est vous. Vous comprenez, non? Je vous ai parlé. La seule personne que je vous parle depuis des années, que tous les stands blacadas se parlent derrière, c'est qui vous dit ça? C'est la bonne joyeuse. Est-ce que vous avez cru? Aujourd'hui, on est où? Je bois mon coca. Venez toujours. Je vais vous répondre quoi? Vous allez dormir. Vous allez devenir folle. Dans vos choses, j'entends non. La seule personne qui tient Facebook, c'est la veuve joyeuse. Les gens qui disent qu'on tient Facebook, c'est moi qui tiens Facebook. Quand je dis que je ne veux pas, qu'il n'y a rien là, rien ne se fait. C'est tout. Donc, calmez vos nerfs. Renseignez-vous très bien. Vous comprenez? Oui, ami. Vous comprenez? Je tiens Facebook. Il y a des gens qui disent qu'ils tiennent Facebook. Moi, je n'ai pas assez de filles. Moi, je tiens Facebook. Ma voix compte à Facebook. Ma voix compte dans certaines choses ici à Facebook. Quand je dis que non, c'est non. Quand je dis que oui, c'est oui. Renseignez-vous bien. Vous comprenez? Qui vous a dit quoi? Oui. Je tiens Facebook. Mais moi, je n'ai pas tout de vue. Ce n'est pas grave. Parce que moi, je peux faire une guerre mondiale. Je peux réveiller Hitler. Hitler peut se réveiller avec moi. Vous ne me connaissez pas très bien. Oui. Malheureusement, dans mes choses, quand je fais, il y a le bruit. Quand je fais, il y a que bim, bim, bim. On bloque mes comptes. C'est moi qui vous dis. Je peux réveiller quelqu'un qui est mort depuis des années. Vous ne me connaissez pas très bien. Renseignez-vous très bien. Mais... comme c'est les Noëls. M'attendez. Vous allez rester dans votre haine. Vous, on vous a fabriqué pour la haine. Moi, je ne m'ai pas fabriqué pour la haine. Je n'ai jamais fabriqué quelqu'un pour la haine. Peut-être non. Mais oui. Moi, il y a eu un problème. On m'a framponné. On a fermé tous mes comptes. Pourquoi? Pour que je ne puisse pas répondre. Parce que si je répondais, ce que je ne suis même pas sûr que Facebook a... ce que Facebook allait être en l'air jusqu'aujourd'hui. Je suis dur et j'assume mes propos. Vous comprenez? Les gens qui tiennent Facebook, moi je tiens Facebook. C'est moi qui tiens Facebook des Camerounais, des Mbakatala. Vous ne me connaissez pas très bien. Chaque personne a sa petite puissance. Moi j'ai une puissance de frappe. Quand je dis que tu mens, rien ne va se faire. Rien ne se fait comme j'ai dit. Essayez, alors on va voir. Rien ne se fait. On me déteste. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne vais pas appeler Fleur de Lila maintenant, on court ensemble devant vous. Je peux faire certaines choses. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes tellement bête et idiot et ignorant que. Ma foi a dit que. Ça a dit que. La seule personne avec qui je ne veux même pas entendre parler d'elle de ma vie, c'est Ngossa. C'est tout. Fleur Aka. Aka. Fleur est comme moi. C'est autre chose là-bas. La seule personne que je ne veux pas, que je n'aime pas, ça vous mentir, c'est Moussa. Et je le dis. C'est tout. Fleur et moi, Aka. Je ne me laisse pas désorienter par qui que ce soit. C'est tout. Là, maintenant, je suis dans ma petite lancée. Je prends mon temps. Pour répondre, pour les gens qui sont haineux, oui, c'est pour comme cela. Vous avez vu, là, j'ai déjà débarrassé la table, là, maintenant, là, comme j'ai débarrassé ceci, maintenant, je vais nettoyer un peu ici,
Quand j'ai pas fait le ménage, là maintenant, là, je vais maintenant aller dans la cuisine là-bas. Je dois laver tout ce qui est la cuisine là. Si je ne lave pas, qui va laver pour moi? Je reste seul dans mon coin. Mais moi aussi, moi, c'est dans mon coin. C'est tout. Laisse-les. Ils disent que tu es Facebook, ils peuvent tenir Facebook. Quand on dit que on veut faire ceci, ici, il dit, qu'est-ce qui va aller là-bas? On a dit que quoi? Partez un peu voir. Je commence les problèmes ici. Je veux des ordres. Je ne me connaissais pas très bien. Je peux réveiller tout en comment? On appelle ça comment? Les gens d'Égypte, je peux les réveiller. Je peux réveiller Hitler. Je peux réveiller tout le monde. Vous ne me connaissez pas très bien. Pour moi, c'est que mes comptes sont restreints en ce moment. Attendez. Tout le monde a sa force de frappe ici à Facebook. Vous me négligez. Les petits gens comme moi, comme ce que vous négligez là, c'est nous qui t'aidons Facebook. Parce que quand j'ai fait que pack, maman, même Dieu dit que c'est ma fille ici. Dieu se met à côté que vous ne connaissez pas très bien. Bon, mes warriors, je suis très fatigué. Je suis vraiment, I am very, very tired. Parce que quand mes veines commencent à sortir comme ça là, mais c'est pas sorti un peu tout. Là, je vais d'abord faire un bon bain de sel. Bien là, et tout ça. Peut-être qu'on va faire, on va aller chez, on va faire notre petit tour là chez Nadège Bafa, avec le long fondateur tout à l'heure. Hein? On va aller faire notre, on va faire notre rubrique de... Ah oui, ah, il est 23h. Donc à minuit, peut-être qu'à minuit, on va faire notre petit tour là qu'on fait ça avec le long fondateur et tout ça. On va voir ça, on va faire ça, d'accord? Donc, je vous embrasse. Je vais d'abord me relaxer un peu. Et puis, bah, on va nettoyer un peu. Je remercie tous les warriors qui m'ont fait honneur depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. On est ensemble. Quand les gens sont sous, il y a une chambre là. Vous partez, vous dormez, vous là-bas. Vous vous levez le matin, vous prenez votre douche, il y a le café et tout. Et vous partez dans la joie et la paix. Voilà, ça, c'est la maison du peuple. C'est tout. Moi, je ne veux pas de problème avec les gens. Je vous embrasse. Voilà. Parfois, quand au lieu d'aller à l'hôtel, venez rester avec la rue ici. Ici, je vous fais à manger, petit déjeuner compris et tout. Vous restez là avec la rue. Il y a la télé, il y a Bing Sport. Vous regardez votre télévision, il y a tout et tout. En plus, ici, il y a les trains qui peuvent aller à Paris, il y a les bus, il y a tout. C'est bien desservi. Ceux qui partent à l'ambassade, les bus quittent ici pour aller directement à l'ambassade. Donc, pour aller faire les passeports ou les visas. Donc, je suis vraiment dans la zone, quoi. Je vous embrasse. Peut-être tout à l'heure, on se retrouve dans notre rubrique de sexe. Je le dis au fond de là. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit. Je vous remercie encore tous. On est ensemble, une place. De comment, mon goût, je t'appelle tout à l'heure. Bonne nuit à tous, merci.